Allez. Putain, la gâchette, elle est sensible de ouf. Wow. Ouais, c'est vrai que... Le parking, il est dur pour elle. Hein. Attends, les trains, ils sont à la rue. Ça a dû bouger sur le... Ah ouais, attends. Steering. Ah ouais, il a dû bouger. Hop. Oula. Trop à droite, va à gauche. Va moins à gauche, s'il te plaît. À moi à gauche. Ah, c'est un peu mieux là. Vous avez compris, faut pas prendre le temps. Ouais, le stream est très correct. Ouais. Ah, il y a du frein, hein. Ouais, c'est mieux d'aller là et monter. Ah, c'est notre délire, hein. Ouais, il y a encore un petit peu de trim à corriger. Il va à droite. Oula. Il va sévère à gauche là. Non, c'est le trim en fait, il est. Il est tout sensible. Là, elle va trop à droite. Hop. Elle va trop à gauche. C'est marrant comme ça file tout seul, tu mets à peine un peu de gaz, bouf. C'est grave de rouler quand même. Ouais, tu mets un coup d'accès. Bon, après, moi j'y vais très doucement sur le gaz, mais tu mets un petit coup de gaz, tu laisses filer, tu tournes, tu mets. Mais c'est sympa. Hein. Ça fait pareil avec tes tiennes. Je crois que... Avec tes pistes, non? Tu vois pareil, non? Ouais. Ah, qu'est-ce que ça fait? T'es de l'autre côté. Fais du crawler. Hop. Ah, c'est pas le même délire, hein. On peut voir. Attention par contre la marche arrière, putain c'est vrai que elle est pénible la marche arrière, voilà. La radio elle est pas très précise donc le frein tu l'as nickel. Contre la marche arrière des fois il faut te mettre à bloc et pas ça marche pas du premier coup. J'ai fait le neutre et tout mais Breezer il m'a dit c'est la radio, ouais. La radio si m'assois elle est pas folle. Ah, c'est dommage que c'est gravé, c'est vrai que tu le ressens même. Ouais. Après les pneus je vois qu'ils sont. Bon ils sont un peu usés je pense. Ils ont dû perdre un peu de gomme donc ça baisse encore plus. Ah, c'est souple là niveau amortisseur. Ouais. Ah, là, elle est pas réglée, elle est telle comme la filet, tu vois. Souple. Et c'est agréable.
à la bouche d'égout quoi. Ouais, j'ai l'impression que la bouche d'égout m'a fait un truc. Ah ouais, il y a un truc qui s'est défait. Et je crois que c'est juste développé en fait. Je crois que c'est juste sorti en fait. Il n'y a pas moyen de... Je m'y reprends une fois que j'ai décidé de... Ouais, franchement, je mets de la précharge à ma mort en fait. Hein. Je l'ai remonté à moi. Ça se trouve, ça va être incontrôlable. Oula, oui. Ah, mais ça va mieux là, du coup. Je sais pas. Le début, en fait, elle était énorme. Ouais, elle était tout en bas. Voilà, je l'ai remonté. Trim à droite, donc il faut que tu ailles à gauche. Ah, ouais, ça l'a ressorti. Ah, donc ça suffisait pas à la main. Une petite rondelle ou un truc comme ça pour essayer de voir si je peux éviter le massacre. Ouais, voir si je peux trafiquer un truc. Ah mais c'est juste la vis qui est tordue pour la morteau. Eh, ça devrait le faire. Là, nous on changera l'autre vis. Puis-je faire un test sur la carreau pour voir. Ouais, forcément, j'ai bouffé le trim, moi. J'ai beaucoup trop remonté une route. Oh là, elle est beaucoup trop haute maintenant, je l'ai trop remonté. Erreur fatale, je l'ai trop remonté, elle est contrôlable. Ah ouais. Voilà, le trim il est pas bon, mais ouais, trop haute, donc elle le flotte. Elle... À ouais. Ah non, mais c'est rien que les amortos, ça a tout changé. C'est beaucoup trop, j'ai mis stop. Allez, retour en arrière. Oh là. Et pourquoi elle tient plus? Parce que j'ai plus la carreau en fait. Non, même avec la carreau elle partait en sucette. Oui là. Elle est pas au point. Bah elle glisse à mort après. Elle est pas en deux mois. Hein, c'est vrai que... Ah. Ah, mais merde, j'ai perdu un cardan. Bah ouais, c'est ce que j'ai dit. Ah putain, j'ai pas fait gaffe. Ça doit être quand j'ai tapé là-bas. J'ai eu de la chance. Allez, petite S5-Aro. Ça devrait être beaucoup mieux comme ça. Ouais, ouais, ça ressemble déjà plus à quelque chose. En fait, j'avais perdu un cardan. La bouche d'égout, c'est, il faut l'éviter. Ah, bah, c'est bien, c'est ah, bah. Ouais, il a pop. Ah, non, t'as des pop. Ah, ça prends ton tournevis. Il faut juste faire un petit pop. Bah, les gars, moi, sur ce, je vais débrayer. Ouais. Salut, Max. Salut, mec, à bientôt. Les gars, prochaine fois, j'ai le VT. Allez. J'espère que j'ai réussi à faire peine la carreau.
C'est toi qui l'as peint ou tu l'as fait faire? Non, je suis allé voir AJC là pour prendre de l'huile la dernière fois et... Ah, AJC, d'accord. Ouais, et okay. J'avais la carreau, il me dit oh, tu la peins pas et tout. Là, je sais pas, j'hésite, tu la peins moi ou quelqu'un, t'as vu? Ça me fait chier de l'envoyer, la table, tu vois. Non, mais le, non, mais mon premier crawler, je l'avais fait moi. Ouais, mais je voulais faire un petit truc sympa, tu vois. Ah ouais. J'hésitais, tu vois. Et du coup, il m'a passé le numéro d'un mec qui fait pas mal de carreaux ici. D'accord. Et du coup, je l'appelle là, cette semaine, je vais l'appeler. Putain, pourquoi je pense que c'est bon ça, chaque fois? Avec le Moyaf, ça passe crème, je dis ça, je dis rien. Au contraire, je faisais des petites jumps là, c'était trop bien. Le Moyaf, franchement, à part que j'ai ruiné les pneus parce qu'ils sont tendres, comme ceux d'origine. Mais franchement, tu verras quand je sortirai la vidéo. Hein? Ouais, mais j'ai les même que le Raptor là. Ah, ouais. Les trucs inusables. Ah, c'est vrai que c'est du Raptor, c'est impressionnant. Ouais. Qu'est-ce qui lui a mis toute la journée, ils n'ont pas bougé. Allez, mais sur ce, les gars. Attends, 4S, c'est bizarre. Hein. Ah, mais si, je peux régler dual rate. Ouais, on va en mettre un peu moins. T'es en 4S? Ouais. Ça va quand même, non? J'ai beaucoup roulé en 4 le Tifon. Je suis producteur en 6S. Ah, ouais. Ma dernière 6S, je vais prendre la vitesse. Ah, mais voilà, avec un peu moins dual rate, c'est plus stable. Ah, c'est plus facile à maîtriser. Je tourne pas beaucoup, mais. Donc c'est très vite, j'y vois pas assez, hein. C'est vraiment petit. Ouais, hein. Ah, là, je sais même pas dans quel sens elle est, tu vois. C'est juste quand je vois se rapprocher, je me dis c'est bon. On va peut-être enlever un peu trop de dual light. Ce qu'il faudrait pour m'aider, c'est de l'expo. Hein? Ce qu'il faudrait pour m'aider, moi, c'est de l'expo. C'est que les premiers millimètres sur le volant, là, c'est ça est tout doux. Ouais. Mais par contre, si j'ai besoin de braquer, ça y aille après. Parce que là, c'est vraiment sensible pour moi. Et tu vois, là, j'en ai rajouté un petit peu. Et là, pour la tenir en ligne droite, chaud. Par contre, elle va braquer pour de vrai. Mais avec de l'expo, ça serait top. Donc là où est ma voiture, là il y a un caillou là. Ah mais il est pourri. Déjà qu'il y avait des cailloux l'autre fois et je l'ai pourri avec le moyen. Là je vais marcher les premiers coups là. En fait il faut pas hésiter à mettre gâchette à fond en arrière. Ah ça. Ouais. Bon, attention, il y a du feu, je vais me mettre sur un trottoir. Regarde, je me mets là. Voilà. Là, il est arrivé, le gars. Ah, ça jump. Oh merde. Moi je pensais que je pourrais drifter plus facilement que ça. Ça pue la merde. Oula, c'est un caillou ça? Non, pas que c'est le caillou. Ah c'est une feuille? C'est une feuille qui m'a fait bouger comme ça. Ah ouais, bon, c'est une... Après, je l'ai remise au plus bas. Je croyais que le comportement de merde, c'était à cause des amorceaux.
Tout un journaux, le mec. C'est ta marque de fabrique. C'est to the moon ou to the back. Oh putain. On entend les diffs crier d'ici. Ah je. Ouais, en fait si. Je crois qu'il a raison Virgile en fait. Voilà. Je me sens mieux là. Ça sonne bien. Crac crac non? Ça craque un peu non? J'ai une marche arrière un peu violente c'est limite. Merde, je suis où? Ah voilà, là je suis dans le bon sens.
Elle est super agréable à rouler. Je vois, je sais pas, le mix du combo et tout. Ouais. Ça part comme. Ouais, c'est vraiment hyper fluide en fait à conduire. Et hop, je joue la gâchette tranquille là. Ça part tout seul. Hop, pour lâcher le gaz, je tourne, je reprends. Enfin, le combo il a été super bien choisi franchement. Et la prog, je sais pas si elle est. Si elle a été faite ou si elle est standard, mais. Ouais, ça part progressif comme ça. Et là j'étais au taquet et elle est partie. Oui. Alors que les pneus sont usés, tu vois, ça devrait partir dans tous les sens. Franchement, c'est tout smooth. C'est rien à voir avec le mouillable où j'étais là. Ouais. Non, tu veux faire un petit essai, vite fait ? Ouais, vite fait, ouais. Juste aller en vente. Donc. Moi, je vais pas faire le con, le touillon avec le typhon. Je croyais que ton châssis était mort en fait. Non, il s'est rafistolé. Ah, je croyais qu'il était genre. Il avait quoi? C'était. Juste un trou où il y a une vis qui va dedans. Ah, et d'accord. C'est un petit peu. Je l'ai bidouillé. Par contre, maintenant j'ai pris l'habitude d'y aller tout doux sur la gâchette. Ça, t'as plus de pile. Je suis pareil que le typhon, il avance pas. Ouais, j'ai vu ça. Il faut y aller. Ah ouais, mais c'est super agréable ce truc. T'as vu ça? C'est un truc de dingue. Il est trop bien. Ouais, grave. Ah mais c'est tout smooth et tout. Ouais. T'as pu faire la gâchette. Ça vient pas de moi hein. Bah toi aussi tu feras un petit tour de. Enfin, fais un petit tour de Honey Truck. Il a un truc différent. Il est vraiment tout. T'as l'impression qu'il y a zéro contrainte mécanique quoi. C'est tout doux. Un petit coup de gâchette, t'es déjà parti et tout. C'est Ah il est excellent, il est c'est vraiment bien. Ah il est super. C'est cool. Vraiment à part. C'est excellent. C'est trop bien, ça se conduit trop bien. Comme ça. T'as mis la batterie le. On a vu dans ton corps quoi. Tu l'as vidé la batterie? Oui. Il a failli vider son diff aussi en même temps. Il est bien ce Mégane. Merde, merci. Génial ce truc. Je suis sûr qu'on peut le remonter pour qu'il passe mieux sur le parking. Ouais. Là j'ai mis quasiment au plus bas. Excellent, il a vraiment une bonne position. Ouais. Et perso, ouais, moi j'étais persuadé que ce serait genre un truc, tu mégases comme un con, tu driftes. Ouais. Mais non, il tient en plus. Quand tu doses un peu, il tient. Super, franchement, j'adore. Il est trop bien, franchement. On croyait celui-là non? Ouais. D'origine, ils ont mis un charbon là-dessus, c'est pas amusé. 400 balles de charbon, merci. 400 balles charbonnées. 400 balles charbonnées. Bien, hein. Il s'éclate. Il est génial. Tu veux essayer? Ah essaye, vas-y franchement. Tiens, j'y sais. To the moon. On fait une tournante là. J'ai un échangisme. Bon vas-y tout doux par contre c'est. Il est en vente. La gâchette elle est. Oui voilà déjà. Merde, ah, ça accroche. Hein. Ouais, tout à l'heure j'ai mis les pneus rallye dessous. Ouais. Alors en 6S, putain, il était super sur le parking, il était nickel. Sauf qu'il y a un des pneus qui s'est déjanté. Ah merde. C'est les pneus du pneu route. Hein? Du pneu route. Ouais, mi-route, mi-terre, quoi, c'est du rallye. Ah quoi, ok. Tu sais. Rallye comme ça. Parce que moi j'ai des routiers chinois pour taille buggy à la maison. Ouais. La direction tire un petit peu à droite, mais ouais. Faudrait que je la règle parce que le trim il est à fond à gauche. Ah ouais, bah c'est vraiment ça. C'est, en fait, tu mets ta radio au centre, tu enlèves le palonnier, ouais, tu allumes, ouais. Il va se mettre vraiment à son bon neutre ouais. Et après t'ajustes. Ouais. J'ai oublié de le faire, comme j'ai refait le train avant, en fait, j'ai oublié de le faire. Une arma sortie de carton, c'est trim à fond en général à gauche ouais. Et tu pries pour que ce soit droit. Ouais. Oh, il freine bien.
Ouais, j'aime bien quand c'est pour les sauts. Ah, il a même sur YouTube, ils accrochent les petits tétons. Hein. Ah, ils accrochent trop fort même. Ouais, ouais. Là, si je prends un appui un peu trop violent, ils se délaissent. De quoi? Qu'est-ce que tu dis? Oui, c'est super maniable. Hein. Bah, t'as l'impression que c'est le vent qui le fait accélérer, tu vois. Ça file tout droit, c'est trop marrant. Tiens, vas-y, il faut que je fasse tant tu fous. Je vous rends votre propriété. C'est cool hein? Ça fait pareil sur tes pistes toi, la Tamiya et la. Bah, je devrais pas te dire, hein, j'ai quasiment pas vu. Ouais, non, mais tu sais, dès les premiers mètres, moi j'ai vu que tu fais ça, ça part comme tu. Ah ouais. Tu le retrouves ça ou c'est juste celle qui est comme ça? Moi, la capture déjà, c'est un drift devant. Ah ouais. Ouais. Bah, parce que c'est le bourrin peut-être, non? Ouais, c'est vrai. Ah putain, c'est, franchement elle est. Elle a un truc, une sensation, c'est super cool. Après moi, ouais, moi c'est mes yeux qui aiment pas. Là en plus elle est au plus basse parce qu'elle partait en couille tout à l'heure, à cause du cardan en moins. Et je croyais que c'était parce que je l'avais mise trop haut qu'elle tenait plus. Mais là je dois pouvoir la monter en plus. Mais ça doit être la taille de la Capri, non? Ça doit être comme ça le Capri, non, le gabarit? Ouais. Bah, avec la Tamiya, ça fait un peu plus gros. Ouais. Ouais, c'est le minimum que je pourrais rouler. Plus petit, ça serait chaud quand même. Je l'ai essayé là? C'était quoi le problème que tu as gagné? Ah bien. Ah oui. Ah oui, d'accord. Quoi que t'as comme dessus la marque? C'est quoi que j'avais? C'était sur le sur l'infraction. Mais je crois que c'est ça. GRP ou je sais quoi. Sur l'infraction, qu'est-ce qui tenait? J'ai eu très peur. Mais après les voitures, ils ont mangé ses pneus et franchement, c'est bien. Tu roules en 4 ou en 6 là, là, quand tu fais un peu les pneus, tu peux faire 2-3 accélérations là. Ouais. Ouais. Je pense que si t'as ce parking là sans les cailloux, honnêtement, ça passe à la vie ça. C'est les cailloux qui nous cassent les couilles. Hein. Et encore là, tu vois, si tu fais un itinéraire sur un endroit propre. Bon, moi, c'est chiant pour moi parce qu'on est très rapidement très loin. J'y vois pas bien. Ils ont tout prévu, je crois qu'elle a ce qu'il en a lu devant, donc. Ça va, c'est un petit boss là. Attends. Allez. Franchement, je suis mis gâchette là, elle est en 2-2, elle est à l'autre bout du. Ils ont bien choisi le combo, Briseur, elle a bien choisi le combo, hein, franchement. Un connect 36, 50, quelque chose, je crois. Ouais. Et en KV, c'est pas. C'est raisonnable aussi. De quoi tu dis? Le 6ème. Ouais. C'est 3652 en... C'est quoi celui-là? C'est la tombola? Ouais. Ouais. Ah oui, c'est ça, ouais, tu as dit que tu l'as déprôlé. Ah. Mais même en montant la pression? Ah, je connais pas. Bah, normalement, ouais, tout doit se régler. Oh. Ah ouais. Regarde si ça s'imprime pas en 3D parce que ça m'étonnerait pas que ça existe. C'est la même idée, mais. Ouais, c'est ça.
J'arrive pas à la faire drifter. Le mec là, Charles, il m'envoie. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de cailloux là. Ah, cool. Ouais, c'est sympa. Bon, c'est sûr que c'est moins salissant, mais je préfère les autres disciplines. C'est plus. Là pour le retour, c'est chaud parce que je la vois pas. Hein. Ouais, je vois un petit Playmobil au loin là. Et elle est super agréable à piloter par contre. Hein? Ouais, ma femme me le dit aussi. Alors le plaisir de conduite, elle fait pas de bruit en plus. Elle met pas, franchement. Si j'étais plus à l'aise sur bitume, je pense que je la garderais. Mais bon, j'ai besoin des sous pour autre chose. Le Raptor 1.6 sur les bidons, c'est pas mal. Ça part dans tous les sens, non? Non, ça va. Ouais. Ah ouais, tu peux peut-être t'accrocher un peu plus que sur Terre, non? Ouais, sur Terre, c'est Nawak. C'est sur Terre, c'est ouais. J'ai retrouvé la vidéo en 6S que j'avais fait. Je vais la poster bientôt, là. Non, ça va plus, sur l'air, moi. Ouais. Bah nous, c'était à Castries, là, avant que tu le récupères. Mais c'est n'importe quoi. Ouais, mais peut-être que sur le parking, ouais, ça peut être sympa. Ça sent. Cette pneu-là, il s'use pas, là. Ouais. Bah, faut que je contrôle le Moyave, je trouve que ça bougeait un petit peu. Faut qu'il soit OP pour au moins le. De quoi? Ah, mais tu savais pas que je venais? T'as filé les billets au moins ou pas? Non? Bah, elles sont dans mon sac, moi. Je sais plus. Ah, bah, j'aime pas trimballer des trucs qui sont pas à moi. Ouais, il est cool, ouais. Hein? De quoi? Encore un truc que je peux péter, c'est cool. Tu sais, pour le Raptor, mon cul, j'ai pas besoin de tout. Ouais. C'est bon. Je peux péter. Ouais. C'est vrai qu'à part si tu sautes, tu casses pas tellement sur le Raptor en fait. Hein. Non. Je t'en mets du vol, tu vois. Ouais, voilà. C'est ça. Bah c'est vrai, tu te prends quelques porte-fusées d'avance, c'était peinard hein. Ouais, ça tu casses rien. Ce truc qui est chiant, c'est les frais de port sur Conrad, parce que la pièce est pas chère, mais le frais de port il te gonfle le prix, donc faut faire ton petit stock d'avance. Ouais, c'est ça. Bah ça part d'Allemagne hein. Ah ouais. Ah, j'attends un coupure, moi. Ouais. Avec ma manie de rouler très peu sur le gaz, je sais jamais. Ouais, elle avance plus, je crois, non? Ouais, de toute façon, je me caille. Surtout, on n'a pas de tracé, donc c'est comme l'autre jour, moi, tu vois, au bout d'un moment, je m'endormais. Et en fait, je me rendais pas compte que mes trajectoires, c'est de plus en plus risqué par rapport au plan en béton. J'ai allez, c'est bon, on va se calmer. Alors, en tout cas, c'est une bonne surprise, franchement, elle est super agréable. Ah voilà, ça drift un peu. Bah, elle est sympa comme tout. Bonne caisse en fait. Vraiment une bonne caisse. Je pense. Puis je commence à me cailler aussi donc. Ah, c'est vrai que ça pique un peu. T'as pas gardé ta veste aussi? Ouais, bah je voulais rester léger mais. Ouais, je suis pas très chauffé. Hein. C'est le même moteur. Ouais, c'est un connect. Bah elle a fait le boulot. Ouais, un petit coup de soufflette là.